un qu'on a eu avec un Albanais, c'était un policeman. Il a doublé sur une ligne blanche, à fond un camion. Bien sûr, moi j'étais à fond derrière lui. Allez, vas-y, accélère. Il s'est rabattu et il y avait qui derrière le camion? Un policier. La réponse d'Alory quand le flic lui demande « Vous allez où ?» Elle répond juste « Au restaurant ». Moi, ça l'a fait rire. Ça l'a fait rire, il a dit « Allez, c'est bon ». On commence confort en Albanie. Resto, camping, on va aller demander le prix quand même. On a l'électricité, l'eau et le parking pour la nuit gratuitement. Enfin, c'est un peu un accueil de ouf là, franchement la famille. On est pimpés de ouf. On a mis des paillettes. On a mis des cheveux. On a mis des colliers comme ça, trop beau. Par contre, on a caché les odeurs, on a mis du parfum. On pue un peu moins. C'est impressionnant. Une immense place. Cette voiture. Je suis en direct de l'arrière de la voiture pour protéger mon meuble. Je me suis assise là. Waouh! On est arrivé sur notre spot du soir. Faut imaginer la route quoi. C'est en lacet, très serré, hyper pentu, avec des trous partout. Et là t'arrives ici, il y a des gens qui pique-niquent. Oui, et ils sont parce montés que... avec... Le véhicule, je sais pas si on le voit. Pauvre camionnette voilà, là. Ils sont montés avec ça. Les petits lacets d'où on est venu. Et nous on est garés juste là-bas, on est tout seul. Et c'est grandiose le panorama. Dans une ville qui est pas très grande. Sauf que d'un coup, on arrive dans le centre, il y a une avenue. Ouais, qui fait genre 200 mètres. Il y a quelqu'un qui fait de la musique à fond, un DJ, et il y a un monde de malades partout. On a fait à peu près une heure d'aller-retour sur 200 mètres. Ouais, ça me fait trop rire, faut imaginer en fait plein de gens de tout âge qui circulent dans les deux sens, mais ils font vraiment demi-tour. Au bout de l'allée, genre comme nous on a fait en fait, hein, on fait demi-tour et on repart dans l'autre sens. Du coup on recroise tout le temps les mêmes personnes. Y'a rien de rigolo là-dedans, c'est très sérieux comme truc. Loïc, 35 degrés, en difficulté d'existence. Je sais pas comment faire pour vivre. Ça a l'air dur. Tu sais qu'il y a une bière fraîche dans le frigo. Je le sais, moi. Je l'ai vu. On a trouvé ce spot pour une fois sans l'application Parfumnet. Et on a eu trop de chance parce qu'on a suivi une petite chapelle là-bas. On a trouvé ça. On s'est dit, bon, on va aller vers la route qui y mène. Et en fait, il y avait une source. Donc c'est trop bien quand il y a une source parce qu'on peut faire la vaisselle. Et on peut douche. Se rafraîchir, on peut faire la douche. Eh mais il y a une tortue dans la... Regarde ça. Là on visite une de nos dernières villes en Albanie à regret parce qu'on n'avait qu'une semaine pour visiter ce pays et que c'est un trop trop beau pays. Du village où on était et c'est un
endroit dans lequel, pendant la dictature, ils ont enfermé les résistants, anticommunistes. Voilà. Et ils les ont torturés, ils les ont enfermés ici. Ça va, Loïc? Tu dors? Oui. Ah, d'accord.